Je suis venu pour te louer. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, je suis venu pour te louer. Écoute-moi, écoute-moi. Exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi. Moi je suis venu pour te louer. Exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi. Oh oui, pour te prier, suis venu pour te exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi. Oh oui, pour te prier, exauce-moi, exauce-moi. Console-moi, console-moi, console-moi. Oh oui, pour t'exalter, pour t'exalter. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Oh oui, pour t'adorer, pour t'adorer. Remplis Dieu et notre Père, nous sommes venus pour te louer, nous sommes venus pour t'adorer. Nos cœurs sont remplis de joie, nos cœurs sont dans l'attente de ta visitation, notre Père. Ce soir, si toi tu ne nous secoues, Seigneur, personne ne pourra le faire. Je bénis ton nom, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur que je peux encore revoir aujourd'hui. C'est grâce à ta main puissante, notre Dieu, que ce soir nous pouvons nous retrouver, Seigneur notre Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances, mon Sauveur. Tu as voulu que les choses soient ainsi. Voilà pourquoi nous voulons te remercier pour tout ce qui peut nous arriver, de bien comme de mal, Seigneur. Tu as dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Merci, Père, pour nos enfants, nos petits-enfants, que nous pouvons encore revoir ce soir, mon Sauveur. Souviens-toi de ton serviteur, notre pasteur. Nous nous attendons à toi, notre Dieu. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton secours. Sois loué, sois béni à jamais, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de cette réunion, Père. Que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, Seigneur. Et que réellement tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'homme, soit ôté de cet endroit, mon Sauveur. Visite-nous, Seigneur. Parle-nous, change-nous. Transforme-nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé de ce lieu et retourne dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Lave-nous par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs, Seigneur, que nos âmes tout entières soient nettoyées. Sois loué, notre Dieu. Sois exalté à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci parce que toi, tu es réellement le Dieu de toute possibilité, le maître de temps et des circonstances, mon Sauveur. Oh, notre Père, nous voulons élever nos voix, élever nos mains, glorifier ton nom, Seigneur. Oh, gloire à toi, notre Seigneur, pour tout ce que toi tu as fait pour nous,
pour ce que tu fais et même pour ce que tu feras, Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois exalté à jamais. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, au siècle des siècles. Je bénis ton nom, mon Sauveur. Oh, je te loue, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Merci pour la chorale, Père. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, visite-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi cette réunion, à toi nos vies, à toi nos âmes. Seigneur, soutiens-nous. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. On va essayer de chanter le 260 dans les fardes, numéro 260. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as ainsi aimés, reviens, nous t'attendons. Oui, reviens, Seigneur. Oh,
soit réellement béni. J'aimerais réellement que vous laissiez une chaise entre vous, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Le 257, juste à côté. 257, dans les fardes. Jésus à une table où 257. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu, viens dîner. Il nourrit avec la main et pourvoit nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les ans. Oh, viens dîner, viens dîner, le maître appelle, viens. Cette invitation que tu nous lances encore ce soir. Seigneur, tu as toujours pris soin de nous.
Tu nous as toujours bénis, tu nous as toujours fortifiés, tu nous as toujours relevés, notre Dieu. Merci parce que tu es réellement un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, notre Dieu. Merci parce que tu es réellement notre Père. Seigneur, si les oiseaux du ciel ne peuvent, Seigneur, réellement s'inquiéter de ce qu'ils mangeront, de ce qu'ils peuvent boire, Seigneur, chaque jour tu pourvois à leurs besoins. À combien plus forte raison, nous qui avons été créés, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, pourquoi aurons-nous crainte, Seigneur? Pourquoi devrons-nous nous inquiéter du lendemain? Parce que nous savons que le lendemain prendra soin de lui-même. Toi, Seigneur, tu pourvois nos besoins. À chaque jour suffit sa peine, mon Sauveur. Aujourd'hui encore, tu as fait lever ton soleil sur les bons comme sur les méchants. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu as rendu cette rencontre possible, mon Sauveur. Je peux revoir mon frère, je peux revoir ma sœur. Nous pouvons élever nos mains pures, chanter, glorifier ton nom, célébrer, Seigneur mon Dieu, ton saint nom, exalter ton nom, notre Dieu. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es bon. Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Nous voulons nous soumettre à toi. Seigneur, tu es Dieu. Aucun homme ne peut t'interroger. Tu es le maître des temps et des circonstances. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois-nous encore ce soir, mon Sauveur. Nous te bénissons, nous te louons de ce que tu as préparé pour nous. Une table bien préparée, mon Sauveur. Bien garnie, notre Dieu. Nous voulons être nourris, Seigneur. Viens, Seigneur mon Dieu, tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Fais-nous du bien, mon Sauveur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta paix. Remplis-nous de ta foi. Remplis-nous de ton Esprit Saint. À toi la gloire, la puissance à jamais. Bénis ton serviteur, notre pasteur, pour qui nous prions encore ce soir. Seigneur, soutiens-le. Accorde-lui vraiment ton secours, notre Dieu. Il n'y a que en toi que nous trouvons le secours qu'aucun homme ne peut réellement nous apporter. Merci, notre Dieu, de ce que tu es vivant, de ce que tu es puissant et tu es présent parmi nous. Sois loué, sois béni à jamais. Bénis tous nos frères qui sont en connexion ce soir. Qu'ils soient bénis, Seigneur. Qu'ils soient réellement fortifiés, Seigneur. Qu'ils soient aussi, Seigneur mon Dieu, nourris par ta parole immuable encore ce soir. Que ton nom soit loué, notre Dieu. Que ton nom soit exalté pour ce que tu prends soin de nous. À toi la gloire, à toi la puissance à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons le psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en ton amour divin. Chaque promesse dans la Bible. Chaque promesse, chaque promesse dans la Bible. Chaque chapitre, chaque verset, chaque. Prenons possession, notre Père Céleste et notre Dieu. Nous te sommes vraiment reconnaissants en ce jour merveilleux, Père, que tu as daigné nous accorder de pouvoir avoir la grâce de retrouver nos frères, de retrouver nos sœurs,
nous pouvons aujourd'hui avoir cette communion, Père. Oh, que tu sois béni, Père. Il y a beaucoup qui s'est posé la question, mon bien-aimé Père Saint, pour savoir si cela était possible, Père. Tu l'as rendu possible aujourd'hui. Nous te disons merci. Merci pour ce moment, Père Saint. Merci pour cette bonté, mon bien-aimé Père. Nous sommes revenus à toi encore différents, mon bien-aimé Père, avec des sentiments tout à fait différents, avec une détermination aussi, bien-aimé Père, tu puissant Dieu, pour te servir encore comme tu le veux, Père Dieu, avec un cœur rempli de reconnaissance à ton endroit, les ailes, les respects, bien-aimé Père, tu puissant Dieu. Oh Dieu Seigneur, tu es notre roi. Nous voulons te servir avec beaucoup de respect, beaucoup de considération et encore davantage, mon roi, parce que tu le mérites, Père. Oh Seigneur Jésus, comme on veut lire à quelqu'un, tu nous as beaucoup manqué, Père. À cet endroit, nous te voulions encore davantage, moi, pour nous retrouver, Père. Oh Dieu, ces lieux nous a beaucoup manqué, Père Tout-Puissant. Merci parce que tu es toujours présent, mon roi. Sois béni pour l'endroit que tu nous as donné, bien-aimé Père Dieu. Sois béni encore pour ce peuple que tu nous as donné, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nos frères, nos soeurs qui nous ont beaucoup manqué, bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie encore aujourd'hui de voir le revoir parmi nous, Père. T'es loué, t'es glorifié encore davantage. Sois donc glorifié encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons chanté les chants des Sion. Nous avons appris combien tu chantais encore avec beaucoup d'amour encore, Père Tout-Puissant-Dieu. Être encore heureux pendant les chants et les cantiques, mon roi. Savoir comment te remercier, savoir comment te chanter, bien-aimé Père Tout-Puissant, avec tout notre cœur, mon roi. C'est cela que nous devons encore, Père Tout-Puissant, dans ces temps où nous vivons, nous sommes, Père. Sois béni et glorifié encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint, pour ce moment béni, Père. Que ton peuple soit béni, qu'il soit aussi fortifié, mon roi, qu'il soit aussi consolé encore davantage, mon bien-aimé Père Saint, parce que nous sommes à toi et nous sommes heureux dans ta maison, à toi, Père. Sois glorifié encore pour ce soir, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, que son Saint-Nom soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes réellement reconnaissants à notre Dieu pour nous avoir donné un jour aussi comme celui-ci où nous pouvons nous retrouver, être ensemble dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel bonheur de pouvoir vous revoir. Oui, c'est vrai. On peut. Oui, c'est un bonheur de pouvoir se retrouver et nous pouvons voir que c'est vraiment un désir profond dans notre cœur d'être là encore ce soir. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous richement. Je suis heureux de pouvoir revoir en fait mes frères et sœurs et avec lesquels nous allons passer l'éternité. Nous sommes heureux de pouvoir voir que notre Dieu vous a gardé aussi. Il a permis que nous puissions être là pour que nous puissions aussi davantage aussi le louer et le glorifier comme au jour d'autrefois, mais avec encore davantage plus de respect, plus de crainte, effectivement, plus de considération et plus encore davantage d'amour en son endroit pour ce qu'il est, ce qu'il a fait. Il nous a réellement appris pendant cette période ici l'importance de mon frère, l'importance de ma sœur, l'importance des enfants qu'il nous a donnés, l'importance de l'endroit où nous nous trouvons pour que nous puissions réellement aussi avoir ces rassemblements. Et chaque fois maintenant que nous venons et que nous quittons chez nous, nous comprenons maintenant pourquoi. Il est vraiment nécessaire. Et maintenant, nous comprenons aussi pourquoi il nous est aussi important d'être toujours très attentifs. Et il ne faut pas que nous revenions encore à ce que pendant la réunion, les têtes, les regards, les pensées tournaient à gauche et à droite. Nous revenons dans cette discipline où nous nous disons, quand nous sommes dans la maison du Seigneur, pour louer Dieu, c'est de tout notre cœur. Et c'est vrai, frères et sœurs, on pouvait ne pas être là aujourd'hui. Mais le Seigneur, notre Dieu, nous a gardés. Regardez combien nous sommes rassemblés. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous et la main qu'il a eu à pouvoir réellement aussi étendre pour que nous soyons protégés sous ses ailes. Il l'a fait. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Et c'est vrai, nous pouvons lui dire merci de tout notre cœur. Cette maladie, ce virus n'a emporté aucun de nous. Et nous sommes tous là, remerciant le Seigneur, notre Dieu. Même si ce virus était passé, nous avons prié, il s'est enfoui. Amen. Comme je le répétais si souvent ici, ah, je pense toujours à Solomon, mon petit-fils. Ah oui, qui toujours disait, la maladie s'enfuit. Et quand j'entendais cela, j'ai dit, c'est quand même vrai. Et nous avons prié, aujourd'hui nous sommes heureux. C'est pour ça que nous ne sommes pas revenus comme nous étions à l'époque. Nous ne sommes pas revenus avec des caractères comme c'était à l'époque. Nous ne sommes pas revenus étant indisciplinés. Non, nous sommes venus disciplinés, respectueux dans les choses qui concernent Dieu, déterminés dans notre cœur. Je bénis le Seigneur, notre Dieu,
Parce que je peux voir encore aujourd'hui, comme nous l'avons eu à pouvoir entendre effectivement aussi le dimanche, et comme l'Écriture le disait, que si quelqu'un, que celui qui sent qu'il est vraiment l'un d'entre eux, eh ben, qui se lève pour aller effectivement aussi construire les temples, qu'il aille donc à Jérusalem, effectivement. Donc personne n'était forcé. Il fallait que celui qui se sentait concerné, qui fait partie de cela, alors qu'il devait venir, comme je l'avais dit, si vous sentez que ça ne va pas, que bon, ben, ça ne vous plaît pas, que vous avez votre principe, restez chez vous. Mais comme je peux voir ce soir, je crois que tout le monde est là. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Et comme nous avons pris la décision de pouvoir servir notre Dieu, nous pouvons le dire aussi comme Josué l'a dit aussi, je crois que tous ensemble, nous pouvons chacun de nous le dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, notre Dieu. Que ça soit dans le boom, ça soit dans les difficultés, moi et ma maison, et mon cœur en moi tout entier, nous servirons l'Éternel. Fini les murmures, fini les plaintes de ce que tel a dit, tel m'a fait. Nous sommes des soldats. On a appris maintenant qu'on est aux soldats au front. Qu'on me tire la balle, si ça frappe, puis ça blesse, Seigneur, aide-moi à continuer la marche. Nous devons avoir ce caractère. L'ennemi a beaucoup joué parmi nous. Il a beaucoup semé des zizanies, ainsi de suite. Maintenant, c'est à nous de chasser les démons. C'est à nous de repousser effectivement l'ennemi. Plus on se plaint, plus il se plaît. Mais maintenant, quand on ne se plaint plus, il n'a plus de territoire. Qu'est-ce que nous sommes devenus? En fait, ceux qui louent l'Éternel. Dans toutes les circonstances, nous devons simplement que glorifier Dieu. Et nous savons une chose, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on m'insulte, ça concourt pour mon bien. Quand on me critique, ça concourt pour mon bien. Quand on fait tout ce qu'on peut faire, ça contribue toujours pour mon bien. Et ça, c'est 100% vrai. C'est le caractère qu'un fils de Dieu doit avoir. Le caractère qu'une fille de Dieu doit avoir. Et comme on a toujours eu à pouvoir l'entendre, effectivement, l'année passée ou les mois passés, effectivement, avant cette situation, effectivement, ici, on était tous distraits dans l'assemblée. Quand quelqu'un rentrait, même ceux qui sont derrière, donc je m'adresse aussi à vous derrière. Même si on est derrière là-bas, elle avait tendance à regarder à l'extérieur. Si cela continue, on vous demandera de sortir à l'extérieur. Donc, je voudrais que le respect, je le répète encore, le principe de respecter les choses de Dieu soit ancré dans chacun de nous. Dehors, oui, c'est différent. Mais ici, non. Le diable a trop joué. Maintenant, nous devons prendre les déçus. Il faut qu'on serve le Seigneur notre Dieu. Je l'avais bien dit, frères et sœurs, que celui qui ne se sent pas intéressé, qu'il ne vienne pas. Mais que celui qui sent qu'il est vraiment concerné par les choses de Dieu, alors prenons position. Et si on prend position, on doit être ferme. Nous devons louer notre Dieu. Et comme on peut le remarquer, parce que nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain ou après-demain. Aujourd'hui, nous sentons nos cœurs beaucoup plus attristés parce que nous avons appris les mauvaises nouvelles qui nous ont donc arrivées. Donc notre jeune sœur Nadège, que vous savez effectivement, je l'ai appris donc hier et j'étais donc d'abord dans mon bureau ici et puis je me dirigeais parce que je devais donc partir pour rentrer donc à la maison. Et c'est là que j'ai reçu donc l'appel téléphonique et puis j'ai eu donc le patron là où elle travaille effectivement, qui expliquait qu'elle travaillait donc au McDonald's, et pendant qu'elle était en train de pouvoir travailler, il était en train de pouvoir ranger les tables, et tout d'un coup on a vu qu'elle s'est donc affalée et tombée par terre. Ils ont essayé de pouvoir la ranimer, et puis ils ont appelé l'ambulance. Et pendant que je parlais avec lui, il me dit que ça faisait déjà 15 minutes qu'on essayait de pouvoir réellement la ranimer. J'ai compris que 15 minutes pour une personne, c'était déjà beaucoup. Et alors, j'ai demandé où se trouvait l'endroit. Il m'a dit, maintenant, là, ils vont le prendre pour l'amener à l'hôpital. C'est comme ça que je suis donc parti pour d'abord voir effectivement ce qui s'est passé et être certain effectivement de ce que j'ai eu à pouvoir entendre. Et voilà que je suis donc arrivé donc là, puis j'ai trouvé qu'on l'avait déjà mis dans la pièce là-bas. Nous sommes donc rentrés. On a trouvé qu'effectivement que notre jeune sœur est rentrée donc à la maison. C'était un moment difficile parce que brusque aussi, et je posais la question de pouvoir savoir effectivement ce que le médecin avait constaté. C'était donc une crise cardiaque, et à son âge, elle est donc rentrée à la maison. La douleur, elle est vraiment aussi profonde parce que il n'y a pas très longtemps. Et comme vous pouvez donc comprendre, et
ce n'est pas une chose très facile. Mais nous disons toujours que le Seigneur notre Dieu a donné et le Seigneur notre Dieu a aussi décidé de reprendre. Je ne pense pas que nous avons le droit de pouvoir lui poser de questions. Parce que quand cet enfant est venu au monde, on ne lui avait pas posé la question. Maintenant, quand il a voulu aussi le reprendre, on ne peut pas lui poser la question. Nous sommes attristés, effectivement, parce que c'est une partie de nous, parce que c'est un enfant qui était aussi avec nous aussi, qui est parti. Est parti dans des circonstances où peut-être, bon, s'il était malade, on s'était peut-être dit, bon, puisqu'il n'est pas bien, on comprend. Mais là, la personne marchait, la personne travaillait. Ça peut arriver. C'est pour ça, vous, dont on parle effectivement ici, vous ne voulez pas prêter attention aux choses de Dieu. Vous vous intéressez souvent aux choses du monde. Et même quand vous êtes jeune, lorsqu'on vous a dit, mettez-vous en ordre avec la parole de Dieu. Mettez-vous aussi, vous dites encore, non, je suis encore jeune, et j'ai encore beaucoup de jours devant moi, je vais encore profiter, ainsi, ainsi, ainsi. Mais quand ça arrive, comme c'est arrivé ici, ça ne va pas te dire que demain je viens. Ça ne va pas te dire que maintenant je suis là juste à côté de toi. Pas du tout. Ça peut arriver au moment où vous ne vous y attendez pas. Mais nous l'avons entendu aussi dimanche, je crois que ce n'est pas qui m'a rappelé cela, c'est que si tu meurs hypocrite, tu vas te retrouver hypocrite là-bas de l'autre côté. Dans la condition dans laquelle toi, tu vas mourir et quitter cette terre. C'est pour ça, c'est très important, frères et sœurs. Et nous l'avons dit aussi, il n'y a plus de temps pour supplier un frère, pour supplier une sœur. C'est le temps de pouvoir que vous preniez conscience qu'il s'agit de votre propre destination. Il s'agit de votre salut, parce qu'il n'y aura pas quelqu'un juste à côté de toi pour te défendre. Ta copine, ton copain. Et vous savez, nous l'avons lu, nous aurons peut-être l'occasion de pouvoir les lire aussi dans les Saintes Écritures tout à l'heure. Et j'implore la grâce du Seigneur qui nous aide. Et lorsque vous partirez, je l'ai toujours eu à pouvoir le répéter en cet endroit. Et ceux qui sont partis, eh ben, ils étaient aussi assis ici aussi. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire que par la grâce du Seigneur, je me force de pouvoir apporter la parole de Dieu comme le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir me positionner avec sa parole. Le jour où vous vous tiendrez à la barre du jugement, vous n'aurez pas d'excuses. J'ai toujours eu à pouvoir dire aussi ici, j'ai dit, Dieu m'a accordé la grâce avec l'appel qu'il m'a donné de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et tous ceux que Dieu a accordé la grâce, qui me reconnaissent comme étant aussi leur pasteur, j'ai la grâce de pouvoir arriver à pouvoir prêcher la parole pour que eux marchent selon la volonté de Dieu, pour qu'ils soient aussi au salut. J'ai eu cette grâce. Et je le répète, et beaucoup de gens de par le monde écoutent aussi, parce que je vois dans le monde aussi, vous le savez, je l'avais dit ici aussi. J'ai dit, un jour je plairai Dieu, et je pleurerai, dit Seigneur, je leur apporte la parole. Et ces personnes, ces frères et sœurs qui sont là, c'est que leur désir, c'est qu'un jour ils puissent te voir, parce que c'est une responsabilité. Je pleurais devant Dieu et je priais. C'est à ce moment-là que quand je me suis endormi, que le Seigneur me montre une chose, et qui reste marquée encore dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ce que il m'a montré, que j'avançais et derrière moi il y avait une foule qui me suivait. Et voilà, à cet moment, il me prend, il me met donc juste à côté pour que je voie la foule. Et pour voir effectivement cette foule, je devais me tenir comme ça et puis regarder cette foule que je conduisais. Il y avait devant nous là un palais, effectivement, où il y avait le roi qui était là, effectivement. Et il était question que de rentrer dans ce palais-là si la personne, la foule en question, ceux qui étaient là, était vraiment conforme. Ça veut dire quoi? Le roi avait donc envoyé un courrier. Et dans ce courrier-là, il y avait des recommandations, lesquelles, effectivement, étaient écrites des choses que les gens devaient arriver à pouvoir respecter et se maintenir ainsi. Donc, ceux qui ont eu à pouvoir vraiment se mettre en conformité à cela, à ce qui était dans ce courrier, avaient donc la possibilité de pouvoir entrer et être agréés dans la présence du roi dans ce palais qui était là. Et je me tenais là. Quand j'ai entendu cette voix parler comme ceci, et puis je me suis dit, j'ai dit, Seigneur Jésus, et ça, Dieu que je sers maintenant, me dit, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, j'espère qu'ils étaient vraiment très attentifs. Et ça, j'ai dit, j'espère qu'ils étaient très attentifs, et même qu'ils ont prêté attention à la parole de Dieu. J'étais là.
Tout d'un coup, quand je regardais encore la foule que je conduisais, et j'ai vu qu'ils étaient tellement, en fait, ils étaient presque habillés de la même manière. Ils étaient tellement debout, mais dans des conditions que, en me regardant, ils ont dit, frère, ne t'inquiète pas, nous avons bien prêté attention. Et tout ce qui a été donc demandé, nous savons ce qu'il en est. Donc nous nous tenons dans la position. Je regardais, j'avais une reconnaissance à l'endroit du Seigneur. Et quand je regardais, ils étaient presque pareils. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que... Non, tout c'était la même chose. Et la façon de regarder, leur caractère, leur regard. C'est pour ça que j'ai dit, tout ce que vous faites avec des involtures, vous n'avez encore rien de Dieu. Leur regard, leur fermeté dans les choses étaient tellement fermes. Alors maintenant... Il fallait maintenant qu'ils avancent, qu'on voit la cadence, parce que voici les amis. Et quand ça commençait à pouvoir jouer là-bas, ils ont commencé à marcher, mais la cadence était tellement parfaite. Je vous dis la vérité, Dieu m'est témoin. Et avant même qu'ils affranchissent un peu la scène, c'était les ovations, puisque le portail s'est ouvert. Et puis ils sont rentrés, mais à l'intérieur, les gens se sont levés, c'était une joie pour accueillir effectivement. Et tout le monde de ceux-là, par la grâce du Seigneur, sont entrés et ils ont été donc reçus. Je l'ai dit devant tout le monde, effectivement, je sais que beaucoup de gens entendent cela. Je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a montré, que le ministère et le travail qu'il m'a accordé à pouvoir accomplir, d'abord ça vient de lui, et la manière dont le Seigneur me conduit, c'est ce qu'il attend effectivement, que le peuple de Dieu puisse arriver. Et ceux-là que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir avoir, qui écoutent réellement et qui obéissent et qui ont la foi dans la parole, effectivement, qu'ils entendent, je suis sûr et certain, puisque Dieu m'a accordé la grâce de le voir, ils entreront. Et de l'autre côté, je peux aussi dire, moi aussi, comme le frère Branham a pu dire dans la vision, qu'il pouvait dire, peu importe ce que les gens peuvent dire, il va, je glorifie Dieu, parce que si je ne suis pas en mesure de pouvoir le dire, alors pourquoi je dois prêcher? Parce que si frère Branham pouvait dire, effectivement, poser l'accusé à l'ancien, tous ceux qui ont cru ce que Paul a prêché, et Pierre a prêché, effectivement, si ils sont acceptés, eh bien, les miens aussi seront acceptés. Et on posait la question, mais pourquoi? Il dit, mais parce que j'ai prêché comme Paul a prêché. Je dirais aussi la même chose. Ah, aussi tous ceux qui ont cru à ce que Pierre, à ce que Paul a prêché, eh ben, vont entrer. Eh ben, les miens aussi entreront. Et pour quelle raison? Et parce que j'ai prêché comme Paul a prêché. Je prêchais comme aussi Pierre a prêché. Je prêchais aussi comme William Branham a prêché. Donc, nous sommes sûrs et certains de la position que nous avons dans les choses qui concernent Dieu. C'est pour ça que nous sommes vraiment confiants dans le Seigneur et nous vous invitons à pouvoir également avoir confiance. Mais si vous estimez que et ça ne vous plaît pas, on n'a jamais obligé quelqu'un de venir en cet endroit, ni d'y rester, ni d'y demeurer. Nous avons simplement prêché la parole de Dieu. Et quand vous retrouvez que c'est vraiment aussi votre endroit, alors accrochons-nous. La manière que Dieu veut que nous puissions donc nous y aller. Donc nous, notre précieux bien-aimé frère vous donnera donc le programme, effectivement, en rapport avec aussi notre sœur Nadège et aussi, comme vous savez aussi, avec notre frère Emmanuel Roby. Tous les deux sont rentrés à la maison suite à des accidents, pas de Covid, coronavirus, accident. Frère Roby, lui, on a fait donc l'autopsie. Il est mort suite à un accident parce qu'il a probablement glissé sur un tapis et la tête s'est cognée sur quelque chose. C'est comme ça qu'il s'est donc endormi et rentré. L'autopsie a été faite, effectivement. Bon, Nadège, on a bien vu que c'était effectivement aussi une crise cardiaque. Nous avons prié que Dieu, notre Seigneur, garde ton peuple, effectivement, afin que ce virus n'emporte personne. Il n'a pas pu emporter. Nous avons été malades, mais nous avons prié. Dieu nous a donc guéris. Comment ne pas glorifier ces dieux? On va se poser la question, mais il y a des morts. J'ai dit, mes frères et sœurs, on aura toujours des morts. Eh bien, on n'allait quand même pas me dire qu'on restera. Non, parce que rentrer, nous, comme nous pouvons le dire, c'est pour ça qu'il faut être vraiment certain de ce que vous êtes. Donc, comme l'apôtre Paul le disait, la mort m'est un gain. Si vous arrivez à ce stade-là, ce que vous avez compris, qu'effectivement, que ce que cela signifie, effectivement, de dire que la mort m'est un gain. Ça veut dire qu'effectivement, que nous désirons bien plus rapidement rentrer à la maison que de rester vivre avec des Covid-19, des masques sur les nez, les distanciations sociales. On va vivre comment? Oh, Dieu m'a dit d'embrasser mon frère. Vous avez oublié?
saluez-vous tous par distanciation sociale. Non, 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 non. C'est normal qu'on nous donne des mesures que nous devons respecter. Ça, c'est tout à fait normal. Mais nous a dit, saluez-vous tous par un saint. Et c'est ce que la Bible dit, effectivement. Bon, c'est vrai que nous devons... C'est simplement pour que vous compreniez que les hommes prennent des décisions, c'est pour protéger les hommes. Mais en fait, derrière tout ça, ce n'est que les diables qui cherchent par tous les moyens. C'est pour ça qu'on n'avait plus la communion. Ça, vous l'avez quand même remarqué. Vous avez pour quelle raison? Vous ne l'avez peut-être pas bien vu. Mais quand vous vous tenez dans cet endroit, vous chantez comme vous chantez, vous louez comme vous louez, mais les démons ne peuvent rien faire. Vous ne l'avez pas vu. C'est parce que vous doutez. Vous savez, frères et sœurs, dans le domaine spirituel et surnaturel, effectivement, vous ne connaissez pas beaucoup de choses. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à pouvoir apprécier ce que vous êtes. Je crois que cette période qui est passée ici, je crois que ça a permis quand même aux uns de pouvoir réaliser l'importance de s'accrocher à Dieu, prier, d'avoir la communion. Que vous méprisiez en fait. En venant quand vous êtes frère, oh, ce frère-là, vous le critiquez, mais il vous a manqué. Ce frère, tu dis, ah Seigneur, comment je pouvais, ah mon frère, mais pendant que vous le voyez tout le temps, vous le critiquez, vous ne le vouliez pas de lui. Mais pendant cette période de confinement, vous avez eu besoin de ce frère. Vous avez senti le besoin de la communion. J'ai entendu mes frères, j'ai entendu les enfants qui pleuraient, que Dieu le bénisse. Les enfants qui pleuraient, qui disaient, oh, ça nous manque, ça nous manque, ça nous manque. Et ma fille là qui disait, ah papa, je voudrais retrouver les tapis rouges parce que je voudrais prier dans la maison du Seigneur. J'ai dit, c'est sûr ça, chacun de nous, nous avions besoin de pouvoir réellement nous retrouver dans ces lieux. Donc nous venons. Alors, comme je disais, effectivement, nous avons perdu donc notre jeune sœur et son corps est là-bas, maintenant c'est dans le funérarium. On vous donnera les jours et les dates, effectivement, pour lesquels vous pouvez aller aussi le voir. Et nous disions tout à l'heure que le Seigneur, notre Dieu, a donné, il a repris. C'est pas difficile pour Déborah, c'est pas facile pour Déborah, c'est pas facile pour Wivin, c'est pas facile pour Emmanuel, c'est pas facile pour Rebecca non plus. Il faut que vous compreniez que ces enfants passent par un moment très difficile. Vous savez que ce sont des orphelins, ça vous le savez. Et vous savez ce qu'il en est avec les orphelins? C'est que Dieu veille sur les orphelins. Les attitudes que vous pouvez avoir à leur endroit, ça peut vous coûter très cher. Parce qu'un enfant qui n'a pas de parents. Vous direz, c'est vrai que, oui, ils ont un papa qui est... Leur papa, c'est une personne qui est très malade, il ne sait pas parler, il ne sait pas voir, il ne sait pas marcher. C'est une personne déjà qui est dans un état... Aujourd'hui, ça peur dans tel fait qu'il n'est pas dit, il ne peut rien faire. Parce que parfois, dites oui, mais non, ce sont des enfants orphelins. Déborah est orpheline. Wivine aussi, orpheline. Rebecca aussi. Les mariés, effectivement, bien sûr. Emmanuel aussi, effectivement. Donc, quand vous avez des orphelins, sachez comment vous comporter à leur endroit aussi. Parce que le Seigneur notre Dieu, il est celui qui protège les veuves et les orphelins. Donc, c'est un moment difficile, maintenant perdre aussi leur grande sœur. Vous pouvez comprendre ce que cela est pour eux aussi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de vos prières. Mais ce que je voudrais aussi juste dire avant que nous prions pour cela, et c'est ce qui fait mal au cœur. Je ne sais pas comprendre comment vos frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous revenez maintenant, soyez respectueux et disciplinés. Nous avons dit dans cette assemblée que quand il y a un problème qui arrive, que ce soit les décès ou ceci, d'abord vous, même si vous l'avez entendu au nord, à l'est, effectivement, il y a une discipline. C'est que c'est d'abord que vous attendez qu'on vous annonce ça à l'assemblée. C'était pas comme ça qu'on a toujours dit. Mais alors, je peux pas comprendre, frères et sœurs, comment vous, frères, vous, sœurs, sur vos WhatsApp, sur vos jours, vous allez exposer des photos. Je sais pas comprendre. Quel respect de la, des principes que vous avez? Ça démontre quoi? D'abord, quel plaisir pouvez-vous trouver de pouvoir mettre la photo de la grande sœur peut-être que Déborah ici ne savait peut-être pas, sa grande sœur était décédée. Mais vous avez déjà publié. Elle tombe maintenant sur, pendant qu'elle était sur WhatsApp pour les examens, paf, 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 elle peut avoir une crise cardiaque. J'ai eu des good feel, effectivement, d'une sœur l'autre fois, lointaine, un pays, là-bas. Ah, pasteur, je ne sais pas tellement, mais je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais à cause de la nouvelle. Je savais, moi, la nouvelle. J'ai dit, mais quelle nouvelle, sœur?
je ne sais pas très bien comment tenir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que la soeur n'était pas bien aussi au point de vue santé. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je viens d'avoir une nouvelle qu'on vient de dire que la soeur telle ou telle est décédée. J'ai dit, pardon soeur, mais qui t'a dit cela? Oh, c'est la soeur telle qui est à côté de moi. J'ai appelé, passe-moi la soeur au téléphone. Alors j'ai dit, ma soeur, et la nouvelle, comment toi, tu as pu annoncer la nouvelle à la soeur? Oh, et moi aussi, j'ai vu ça sur, si c'est le WhatsApp. J'ai dit, le WhatsApp de qui? C'est pour ça que j'ai demandé. Alors, j'ai demandé, montrez-moi un peu le WhatsApp. J'étais brisé dans mon cœur. J'ai vu certaines, dans notre assemblée, alors que vous avez entendu la parole, dans notre assemblée, là, photos publiées. Quelle joie de publier la photo d'une personne dont on vous a peut-être pas encore fait savoir. Peut-être que là où elle est, on est allé, on a prié, elle est ressuscitée. C'est comme un plaisir de pouvoir savoir que je vais être le premier à annoncer la nouvelle. Mais c'est pas comme ça qu'on vous a instruit ici. C'est ici qu'on vous a dit que avant de pouvoir les dire, eh ben, on doit d'abord effectivement vous annoncer ça ici à l'Assemblée. Ça, qu'est-ce qui vous démange? Vous savez pas les dégâts que ça a causé auprès de beaucoup de personnes, effectivement, les gens qui ont des problèmes, peut-être cardiaques. Ils reçoivent un message. Vous trouvez plaisir hein, sur nos Facebook, sur nos pages, je ne sais pas moi quoi. C'est pour ça, ces choses-là, vous les utilisez tellement mal, frère, que vous tuez les gens, vous blessez les gens, vous détruisez les gens. C'est pas ça. Combien de fois? Ces choses-là, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Vous avez entendu une nouvelle. Tant qu'on ne vous l'a pas annoncé ici, vous... On ne va pas dire que vous êtes le pasteur ou bien celui qui annonce. Non, on vous a pas donné une autorisation. C'est pas une autorisation. Mais on vous a pas dit un titre ici. Non, vous êtes un frère en Christ. Et vous attendez effectivement que c'est ça. Ça montre aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Ça montre effectivement que moi je ne suis pas certain. Même si on me l'a dit, mais si on ne l'a pas dit ça à l'Assemblée, alors nous on s'était. On doit rester dans cet angle-là effectivement. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte des dégâts que ça commet auprès des gens qui sont sensiblement aussi dans l'état de santé, effectivement, fébrile pendant cette période, effectivement, et puis ils arrivent à pouvoir voir cette chose comme cela. Si maintenant la personne meurt, c'est aussi votre faute, et puis quel plaisir vous avez. Je pose la question quand même, quel est ce plaisir que vous avez trouvé de mettre cette photo-là et de pouvoir... Oui, vous pouvez m'en vouloir, sœur, jeune frère, vous pouvez m'en vouloir. Mais vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas. C'est le manque de considération quand même. Des gens tout de même, effectivement. Et ça, ce ne sont pas de nouvelles. Vous vous rendez compte? L'autre frère ici, Obi, est décédé. Pour que moi, je puisse annoncer à la famille, j'avais aussi leur WhatsApp. Mais je ne me suis jamais permis de pouvoir dire... Non, il faut d'abord préparer le cœur de la personne. Pour d'abord le mettre dans une atmosphère pour savoir comment annoncer quand même un décès, c'est pas une naissance. Vous faites de la confusion, un décès, c'est pas une naissance. C'est que vous perdez quelqu'un. Et à ce moment-là, il faut savoir trouver les mots pour savoir comment l'approcher et lui parler. Non, vous prenez plaisir de pouvoir y voir. Que le Seigneur, notre Dieu, accorde la grâce. C'est pour ça qu'on a dit que maintenant, les choses ne doivent plus jamais être pareilles. Veillez aussi à ce que, pas de coup de fil, j'ai reçu le message. Mais tu appelles, là, je donne un exemple, tu as reçu le message, tu appelles directement, c'est relayé, tu sais quoi, télémot. Mais est-ce que c'est nécessaire que tu puisses annoncer cela, c'est relayé? Toi, que tu l'annonces effectivement. Parce que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, effectivement, aussi longtemps que vous n'avez quand même pas donné l'information vraie, à quoi ça sert? L'information vraie vient où? Mais ici, quand même, dans votre assemblée, tu as reçu la nouvelle. Prie quand même, dis Seigneur, je veux d'abord savoir, est-ce que c'est vrai parce que nous n'avons pas l'assurance pour savoir quoi, est-ce que c'est vrai ou pas, effectivement. Parce que tu peux aussi transmettre aussi des faux messages, des fausses informations, qui quand elle entend, paf, son cœur, boum, elle meurt. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comment? Tu vas encore annoncer, encore, pardonne-moi, soeur, j'ai cité ton nom, j'ai cité le nom de quelqu'un d'autre. Ou sœur montre, par exemple. Et que tu annonces, et la sœur montre est décédée. Tu vas encore parler au téléphone. Sœur miroir, la sœur montre vient de décéder. Donc c'est toi qui as la cause de la mort de sœur montre, tu prends maintenant l'information. Est-ce que vous comprenez? Donc que Dieu nous aide. Nous allons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, console aussi cette famille. Et nous avons été aussi, quand nous avons appris aussi les décès de notre frère Obi,
nous étions dans le confinement, et comme nous sommes ensemble aujourd'hui, nous voulons aussi prier pour cela aussi, et surtout aussi pour notre sœur Nadège, que le Seigneur puisse consoler aussi nos sœurs et aussi les autres membres de famille. Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant ton trône de grâce et miséricorde pour te dire que tu es grand et ta façon de faire les choses est ta façon à toi, Père. Il t'a plu à toi de nous donner notre sœur Nadège, mon bien-aimé Père Dieu. Et aujourd'hui, elle est donc rentrée à la maison. C'est ta volonté à toi. Et Seigneur, quand tu donnes, tu donnes. Quand tu reprends aussi, tu reprends. Il n'y a personne, mon bien-aimé, personne qui peut arriver à pouvoir te reprendre. Il peut arriver à pouvoir te poser aussi la question de savoir pourquoi tu l'as fait, mon sauveur bien-aimé. Je te implore la grâce encore, mon bien-aimé Père. Ces enfants sont des orphelins, mon bien-aimé Père. Je pense à Déborah, je pense à Wivine, je pense aussi à Rebecca, je pense aussi également à Emmanuel, Père Dieu. Seigneur, tu as vu ta servante, comment elle a eu à pouvoir élever ses enfants, Père Saint-Dieu, et persévérant dans cette maison, dans ces lieux. C'est pour ça qu'elle n'a pas laissé sa famille en dehors, Père Tibissant. Oh Dieu, il a laissé ses enfants pour qu'ils soient aussi gardés, mon bien-aimé, Père Tibissant. Il a voulu que ce soit entre tes mains, mon bien-aimé, Père Dieu. C'est pourquoi je te remercie, parce que tu savais ce qui allait se passer dans leur vie, mon bien-aimé, Père Tibissant. Tu savais les combats qui allaient aussi, oh Dieu, être menés aussi, mon bien-aimé, Père Saint. C'est pourquoi aujourd'hui, oh Dieu Saint, c'est l'aîné qui est parti aussi, bien-aimé, Père Tibissant, pour aller là où la maman est partie. Et elle a laissé, Père Tibissant, aussi ses sœurs et aussi son frère qui est resté aussi, mon bien-aimé, Père Dieu. C'est pour là que nous prions encore, mon bien-aimé, Père Tibissant, toi qui consoles, que tu puisses vraiment consoler, mon bien-aimé, Père Dieu. Les aider aussi davantage, mon roi. Regarde autour d'eux, mon bien-aimé, Père Saint, combien l'ennemi se déchaîne, combien, c'est-à-dire la famille est en train de pouvoir chercher, oh, comme Père Tibissant, toutes les choses, Père Tibissant, pour ses enfants, soit dans cette condition. Mais nous savons que toi, tu en prends la responsabilité, mon bien-aimé, Seigneur Jésus. Et pourquoi je te remercie encore, mon bien-aimé, Père Dieu, parce que tu as eu à pouvoir agir comme toi, tu le voulais, mon bien-aimé, Père Tibissant. Nous voulons que tu aies encore davantage, mon roi, en prendre soin de ses enfants, Père Dieu, parce que c'est toi qui es le Père des orphelins, tu veilles encore davantage, mon bien-aimé, Père Dieu. Puisses-tu encore nous aider, Père. Pardonne-nous, oh Dieu, pour ce que nous avons été fait de mal, mon bien-aimé Père Tibissant, les actes qui ont été posés par ton Père, mon bien-aimé Père Dieu. Puisses-tu vraiment pardonner, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous voulons reprendre, bien entendu, nous voulons, Père Tibissant, oh Dieu, revenir avec détermination pour arriver à pouvoir agir comme tu le veux, Père Tibissant aussi, dans le respect, dans la considération aussi des choses, que tu puisses vraiment nous assister, mon bien-aimé Père Dieu. C'est à toi que nous devons tout, mon bien-aimé Père Tibissant. Notre vie, notre consécration est à toi, mon bien-aimé Père Saint. Sois béni encore aujourd'hui, sois glorifié, mon roi. Nous sommes revenus avec détermination, avec respect, avec considération des choses que toi tu nous donnes. Mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, nous voulons vivre pour ta gloire. Sois béni, console cette famille, Père Saint, oh Dieu, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni et glorifié. Il est toujours le même. Dans toutes les circonstances, notre Dieu demeure le même. Et ce qu'il attend réellement de nous, ce que nous puissions continuellement arriver à pouvoir avoir les yeux et les regards fixés sur lui. Parce que lui, il est réellement le rémunérateur de ce qu'il recherche et le consommateur réellement aussi de la foi. Il veut que nous puissions demeurer fermes, inébranlables, effectivement, dans la foi, surtout dans les choses que lui, notre Seigneur, nous donne. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, ici, au chapitre 10, que je voudrais donc lire avec vous, Hébreux au chapitre 10, nous lisons cela avec vous. Ici, le verset suivant, il dit, Hébreux chapitre 10, verset 39, il dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. » Maître béni, nous voulons encore te dire merci pour ton amour et tes grandes compassions aussi à notre endroit. Nous te remercions de ce que aujourd'hui encore nous avons ce moment béni de pouvoir nous retrouver dans ce rassemblement, Père, où nous voulons entendre ta voix à toi, mon bien-aimé Père Tibissant, par ta parole nous venons lire encore aujourd'hui. Puisses-tu vraiment nous aider encore, Père. Aide-moi, mon Père Saint, j'implore ta grâce, j'ai besoin de toi encore ce soir, et pour que ta parole à toi nous soit encore donnée. Même un mot, bien-aimé Père Saint, cela consolera aussi nos cœurs. Oh Dieu, nous sommes venus pour cela, pour t'entendre, Père, ressortir avec quelque chose de ta part, pour pouvoir réellement avoir aussi la force de venir encore pour le lendemain. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Vous pouvez vous asseoir. Regardez toujours que quand les Saintes Écritures s'expriment, il est toujours nécessaire de veiller et de prêter toujours très attention. Cela, nous l'avons toujours eu à pouvoir l'entendre, nous être ramenés, répétés davantage. Cela pour que nous puissions comprendre que c'est quelque chose qu'il y a dans les élus. Et ça, c'est important que vous puissiez l'entendre. C'est quelque chose qu'il y a dans les élus. Parce que quand un élu se tient dans le lieu ou dans la présence du Seigneur, tous ses sens sont vraiment aussi en alerte. Et il réalise qu'effectivement, que parce que son intérieur, parce que dans l'intérieur, effectivement, Dieu a placé quelque chose, effectivement, qui, lorsque lui-même il est présent, ça se met aussi en alerte, effectivement, et dans un état, effectivement, aussi de la révérence et de la considération, effectivement. Et c'est lui, d'ailleurs, aussi, qui pousse aussi pour que nous puissions être dans cette condition, parce que nous nous trouvons. Regardez juste un exemple, effectivement, que quand Moïse a pu voir, effectivement, aussi ce buisson qui brûlait alors qu'il passait son chemin avec les troupeaux. Il a vu ce buisson qui brûlait, qui ne se consumait pas. Alors il a voulu s'approcher, effectivement, cela. Mais il a senti quelque chose de tout à fait différent. Parce que le fait qu'il s'approchait, et puis d'abord il a remarqué que c'est quelque chose de tellement particulier. Pour quelle raison? Parce que le regard qu'il avait posé sur ce buisson, effectivement, était un regard tout à fait pas, vous savez, évasif, effectivement, comme ça, mais un regard attentif. C'est pour ça que vous remarquez, effectivement, que Moïse n'était pas comme les autres. Parce que depuis même sa naissance, le Seigneur a pu montrer qu'avant même que et la maman puisse arriver à avoir donné ça, effectivement, qu'elle était enceinte de Moïse, le pharaon a pris la décision de pouvoir tuer tous les enfants mâles. Mais c'est parce qu'effectivement que les diables sentaient effectivement qu'il y a quelque chose qui va se passer effectivement parmi effectivement le peuple de Dieu. Parce que c'est un esprit en fait. Les Satan, les démons sont donc des esprits effectivement aussi. C'est pour ça qu'ils voient ce que vous ne voyez pas. Et vous êtes assis là effectivement, les yeux naturels, mais vous ne pouvez pas voir ce qui se passe ici. Mais eux, ils voient ce qui se passe ici. Ils voient effectivement la présence du Seigneur, ils voient aussi la feu, le feu pendant la fête, ils voient les anges effectivement qui sont ici à cet endroit. Mais vous ne le voyez pas. Parce que vos yeux sont des yeux qui sont donc naturels. Ça veut dire que les esprits sentent effectivement et ils peuvent voir effectivement ce que vous ne pouvez pas voir. Donc, c'est comme ça que, effectivement, qu'en ce moment-là, la décision était que tous les enfants mâles, comme vous avez dit effectivement, que oui, on devait tous les eaux qui étaient les tuer, effectivement, pas les garder en vie. Mais la maman de Moïse, qui avait aussi un bébé, pouvait aussi être parmi ceux-là. Mais quelque chose s'est passé. Il a eu à pouvoir ne pas vouloir mettre son fils, effectivement, pour s'exposer, pour être tué par l'armée du pharaon. Il a eu à pouvoir prendre, effectivement, aussi, comme vous le savez, effectivement, c'est un roseau pour le mettre sur le fleuve. Et qui était derrière, effectivement, cela? C'était le Seigneur. Qui inspirait, effectivement, parce que l'enfant qui allait naître, Dieu avait un projet pour cet enfant-là. La maman ne le savait pas. Personne ne le savait. Mais Dieu savait, et Dieu gardait cet enfant-là contre tout ce qui pouvait être passé, parce que le diable, quand il venait effectivement avec ses décisions, ou ce qu'il avait pris effectivement au travers de Pharaon, c'était pas pour tous les enfants qu'on a pu tuer, mais c'était parce qu'on cherchait ces petits-là, donc ils voulaient que cet enfant-là, parce que, vous savez, quand ils étaient dans les ventes, ils pouvaient savoir effectivement clairement, mais il dit, mais on va taper dans le milieu, effectivement, par tous les enfants mâles, effectivement, parce qu'il y en avoir un parmi eux. Donc, il a fait cela, effectivement, pour arriver à pouvoir éliminer celui qui devait venir. Et c'est la même chose que vous savez, effectivement, lors de la naissance, effectivement, du Seigneur, vous connaissez. Donc, effectivement, le Seigneur a mis, effectivement, aussi à cœur à sa maman, effectivement, de voir prendre une décision que quand on regarde, effectivement, une femme normale ne peut pas le faire. Normalement, constituée prendre son bébé, dans des choses comme des roseaux qu'on a fait, puis le mettre sur les fleurs pour qu'il aille quelque part, c'est pas possible. Je crois qu'une maman va dire, je vais garder mon bébé, je vais fuir avec, effectivement. Mais elle a laissé son bébé. Dieu l'avait inspiré. Dieu est grand. La maman ne savait pas ce qui allait se passer. Mais Dieu savait que s'il avait obéi à ce que Dieu lui avait donné, l'enfant serait épargné. Donc il a poussé à ce que la maman soit conditionnée. Évidemment, c'était une femme aussi que le Seigneur connaissait. Oui, c'est cela en fait, comment le Seigneur fait les choses en réalité. Il ne fait jamais les choses à moitié ou par hasard, ou c'est pas comme nous pensons que... Non, frères et sœurs, parce que c'est comme ça que nous disons qu'on ne doit pas poser la question au Seigneur, pourquoi tu as pris notre jeune sœur à cet âge ici?
Mais il en a pris aussi de bébés. Il en a pris aussi de ceux de 2 ans, 3 ans aussi. Est-ce que vous comprenez? Dieu sait ce qu'il fait, effectivement. Et quand il fait, on n'a pas à l'interroger. Parce que c'est nous qui devons apprendre, effectivement, à respecter les décisions de Dieu, effectivement, dans toutes les circonstances. Donc, effectivement, et quand il a poussé la maman à mettre cet enfant dans le roseau, vous pouvez dire, mais la maman, elle est folle. En fait, elle n'était pas folle. Humainement parlant, elle était folle. Parce que ça, on ne peut pas le faire. Et puis, vous savez comment on parle, effectivement, qu'il y avait dans ces fleuves-là des crocodiles qui pouvaient happer la chose, effectivement. Et puis, en plus de cela, vous comprenez, sur le fleuve, qu'est-ce qu'il va y avoir? Mais elle n'était pas une experte pour construire, effectivement, les rosiers, effectivement. Elle a fait. Et puis, bon, les eaux pouvaient quand même entrer. Un bois qui passait, puis tout, papoum, et bien ça rentrait, et puis le bébé mourait étouffé dans l'eau. Donc, beaucoup de choses pouvaient arriver, effectivement, et même pas parlant de ça, effectivement. Des serpents dans l'eau, des serpents, il y en a. Donc, les serpents, voyant, papoum, ils rentrent là-bas, effectivement, ben, l'enfant est mordu, et puis l'enfant mort. Mais la maman a laissé les roseaux partir. Et ça, c'était la direction de Dieu, effectivement. C'était cette manière-là que Dieu a eu à pouvoir vouloir se... En fait, elle a abandonné ce qu'elle a de plus cher, effectivement, entre les mains de ses dieux. Et c'est quand elle a abandonné cela, effectivement, parce que elle veut dire, mais je garde mon bébé. Quand elle a abandonné, c'est à ce moment-là que le salut est venu. C'est ça que notre maître pouvait nous dire dans les livres de Luc que nous avons lus. Là, effectivement, hein, donc... Je pense que c'est cela. Bon, nous pouvons les citer, effectivement. Et nous avons lu, effectivement, dans les scènes. Si quelqu'un veut conserver sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Il ne la sauvera jamais. À moi, je me posais par ici, je me posais par là. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi. Ben, la retrouvera. C'est-à-dire que là, nous avons donc le salut. Et ce qui s'est passé là, en laissant cet enfant partir comme ça, parce que la maman ne savait pas ce qui pouvait arriver. Mais Dieu a veillé à pouvoir faire quoi? C'est-à-dire que quand ces roseaux, par exemple, ce panier a été mis sur le fleuve, et cela, effectivement, la main du Seigneur et le regard de l'ange du Seigneur étaient là. C'est-à-dire que toutes les bêtes qui étaient soit dans les eaux, soit dans le roseau, à gauche et à droite, ils ne pouvaient jamais s'approcher de cela. Parce qu'il y avait une main qui la conduisait. Ça, c'est vrai, frère. Nous l'avons aussi entendu, frère. Je pense que vous ne pouvez pas oublier, pour ceux qui étaient en connexion, hein, vous l'avez quand même entendu. C'était quoi que... Quand ils se sont trouvés devant la mer rouge. Mais eux, ils ne voyaient pas, naturellement, qu'effectivement, que la mer tremblait. Et ceux qui étaient, effectivement, dans la mer tremblaient. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant était là. Donc, les créateurs... Mais bien sûr qu'il était là, sous la forme de la colonne de feu. Mais il était là. Alors, tous ceux qui étaient autour, mais s'inclinaient. Eux ne voyaient pas, puisqu'ils étaient tellement charnels, ils ont même oublié ce que le Seigneur avait fait pour eux. Ils ont commencé à murmurer. La chose est toujours que le serviteur de Dieu sont toujours les personnes qui sont des fautifs. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Mais c'est ça qu'on a vu dans Moïse. C'est à cause de toi, Moïse. Là-bas, on était bien. Le pauvre Moïse, il a souffert, hein, tout au long du cheminement. Ah, si nous étions restés là-bas. Mais en fait, là, il ne se rendait pas compte de l'atmosphère qui était là, effectivement, qu'il y avait déjà un chemin. Les eaux n'attendaient simplement que les signaux pour faire ça et laisser simplement passer le peuple de Dieu. Soyez simplement certains de qui vous êtes. Si nous sommes de Dieu et que nous appartenons à Dieu, oh, comme le disons, effectivement, frères et sœurs, les épreuves viendront toujours. Les difficultés viendront toujours. Mais cela ne peut pas arriver à pouvoir, toi, dans la condition, on va se poser la question, pourquoi moi? Oui, ça arrive. Mais les chrétiens disent, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, effectivement. Parce que l'épreuve sera tellement dure pour toi. On dit, mais est-ce que Dieu est avec moi? Mais frères et sœurs, c'est parce que Dieu est avec nous que nous souffrons. Mais c'est sûr et certain. Mais en fait, c'est l'ennemi, en fait, qui fait tout cela pour te décourager, en fait, que tu perds de vue, effectivement, c'est lui qui est avec toi. Ils étaient là, Dieu était avec eux, mais c'est comme s'ils ne voyaient pas. Mais depuis le cheminement qu'il a fait avec eux, depuis l'Égypte, effectivement, quand les façons, effectivement, il était là, là devant la mer rouge, effectivement, eh bien, les tremblements ont commencé. La maman de Moïse a fait partir les roseaux, enfin le panier. Et Dieu a guidé les paniers jusqu'où? Chose que la maman ne pouvait jamais penser, ni même espérer. C'est Pharaon qui tuait les enfants. C'est Pharaon qui avait ordonné que tout mal, effectivement, soit tué. Dieu prend son fils là, pour l'amener même à l'endroit là, pour montrer que je suis le Tout-Puissant. Oui, messieurs.
Quelle protection, frères et sœurs, venant de, étant dans cet endroit, qui pouvait toucher à ce bébé? La cause de la foi de la maman. Juste sa foi, frères et sœurs. Cette maman-là, Jochebed, effectivement, elle n'était pas différente de toi, ma sœur. Elle était aussi une personne comme toi, qui avait aussi entendu, effectivement, parce que c'est le Dieu d'Israël, effectivement, oui, parce que leur père a parlé, effectivement, ainsi, ils ont entendu oralement. C'est vrai, parce que l'écrit est venu par Moïse. Ça, vous le savez. Donc, effectivement, elle avait entendu, elle savait qu'il venait de Jacob. Jacob venait, effectivement, d'Isaac. Isaac venait, effectivement, aussi d'Abraham. Vous connaissez cela, non? Et Abraham est servait Dieu. Et c'est dit de Sarah, effectivement. Donc, tout ça, ils savaient qu'il n'était pas un peuple comme, effectivement, circoncision. Ils avaient les signes. C'est sûr et certain. C'était un peuple qui vivait, donc, aussi à la foi. Et elle a laissé son panier, son bébé dans son panier. Vous êtes tellement trop protectrice vous-même. C'est les miens, c'est mon bébé, c'est si, c'est très bien. Et ces choses sont à moi, c'est si, c'est là, c'est très bien. Mais, par exemple, je donne un exemple. Oui, vous voulez protéger ce que vous avez, mais quand la maladie va vous frapper, et vous empêchant même de pouvoir lever la main pour pouvoir tenir, même de pouvoir, il va pouvoir marcher, comment allez-vous protéger ce que vous pensez protéger? Il faut que, en ce moment, que vous vous posiez quand même aussi des questions dans votre vie. Ma capacité à moi de protéger, jusqu'à quel point? Jusqu'à quel moment? Est-ce que vous comprenez? C'est nécessaire. Parce que c'est comme cette maman. C'est comme pour ceux qu'on pense qu'on parlait de nous, effectivement. C'est comme cette maman, effectivement. Même si elle avait gardé les bébés comme ceci, parce qu'en le gardant, quand même, en cet moment, le bébé allait pleurer. Bien sûr que oui. Oui, elle allait pleurer. Donc ces gens-là allaient quand même entendre la voix d'un bébé. Ils allaient quand même le chercher. Même si elle s'était mise sur l'enfant, sur le mien, on n'allait pas prendre, effectivement, on allait simplement la prendre, lier sa main et ses pieds. Le bébé, on le prenait. Est-ce que vous comprenez? Je vais les protéger. Jusqu'où? Jusqu'à quel point? Mais quand elle a compris qu'effectivement, qu'il n'y a pas un autre meilleur endroit où je peux laisser que mon fils soit protégé, comme la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. C'est l'endroit où tu dois amener tout ce qui est à toi. C'est pour ça qu'on a dit que moi et ma famille et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça ne soit pas un slogan, mais que ça soit déterminant pour vous, chez vous, dans votre maison, tout ce que Dieu vous a donné. Seigneur, moi je peux protéger, moi je peux faire ce que je peux faire en tant qu'humain, mais qui peut protéger au-delà? Quand le virus vient, je peux même mettre des masques, mais il va quand même frapper à un certain moment. Frère, vous n'allez quand même pas vous sortir masqué. Bon, comme j'ai vu, c'était aujourd'hui là, j'ai vu un monsieur en plein soleil, il avait le masque, il avait comme fendre. J'ai dit, des gants, je crois qu'il devait mettre aussi la combinaison. Non, mais c'est vrai. Non, il y a des gens qui sait, ils ne peuvent même plus respirer parce que si tu es à côté, le chemin devient. Non. Ce qu'en fendre tout ça, donc blablabla, des pigs pour bien blender. Et ils marchent dans la rue. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, les pauvres. Mais maintenant, je vous dis, quand vous allez dormir comment? C'est un problème. Parce que c'est un virus. Ah ben, je ne vais pas rentrer dedans parce que quand on dit un virus, c'est quelque chose qui. Vous savez, il n'y a qu'une véritable protection. On nous prend pour des insensés. On nous prend pour des faibles d'esprit. Il n'y a pas de problème. Mais savez-vous quand même que s'il y a quand même diminution, nous avons prié tout de même. Oui, c'est votre problème. Vous ne pouvez pas croire, mais c'est vrai. Nous avons. Vous savez quoi? Les décisions étaient prises que pour que nous puissions nous retrouver comme ça, c'était en fait fin août. Donc on devait voir fin août encore pour voir si on pouvait, ainsi de suite. Mais comment ça se fait qu'on arrive à... Qu'est-ce qu'ils ont dit? La courbe bat, elle tend. Mais nous avons aussi prié. Il dit, Seigneur, que cette chose s'éloigne parce que nous voulons nous retrouver dans la maison. Même si on avait seulement prié à deux ou à trois, Dieu a quand même entendu. Amen. C'est pas nous, mais vous aussi. Vous étiez à la maison, c'est-à-dire que je dis que vous étiez à la maison, vous pleurez. Seigneur, oh, nous voulons, redonne-nous ces jours heureux.
Quand nous étions dans la maison de l'Éternel, où nous chantions et dansions, glorifiant ton nom, les Saint-Esprit. Hein, vous comprenez, non? Vous n'êtes pas heureux? Je crois que nous devions danser, non? Donc nous comprenons. Donc là, il a compris. Évidemment que là, quand il a laissé cet enfant dans ce bac-là, une femme naturelle et normale ne peut pas le faire. On est tellement, ah, que Dieu nous aide. On est tellement parti. Maintenant, en parlant d'une femme normale et naturelle, quel bonheur. Nous avons David. Nous avons notre frère, les docteurs. Docteur. Avec Imelda. Ils nous ont donné David, hein? Parce que c'est en anglais comme Solomon. David. J'ai dit comme nous sommes heureux. Avec des David dans l'assemblée, mais c'est la force, non? Quel bonheur, hein? Quelle joie de pouvoir entendre. J'ai regardé quand il m'a envoyé la photo. J'ai dit, oh docteur, regardez comment il a pris la photo. J'ai dit, hey, docteur, hey, il a montré son queue, il tient sa femme comme ça, il dit, oh là. J'ai dit, quel bonheur, comment ne pas se réjouir de ça? On était tristes, maintenant on est heureux. Et nous nous réjouissons de ce que nous avons en David. Combien nous disons merci à notre Dieu. Voilà donc une maman qui m'aide. Nous allons prier. Nous voulons te dire merci. Tu nous as donné un enfant comme cela, mon bien-aimé Père Tibisson, et tu le consoles dans des moments tellement de tristesse, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, nous réjouissons de cette bonté que tu nous témoignes, parce que tu demeures toujours le présent. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, tu sais, consoler encore le cœur, mon bien-aimé Père Tibisson, cet enfant est venu au bon moment, mon bien-aimé Père Saint, où le cœur a été vraiment attristé, et que maintenant le voir, donne encore la vie, Seigneur, oh Dieu, Père Tibisson. Oh Dieu, nous voyons que tu donnes encore la vie aujourd'hui, bien-aimé Père, oh Dieu. Que ton nom soit béni, Père, oh Dieu. La mort a frappé, mais la vie est revenue, Père. Et nous disons merci pour ce que tu fais, Seigneur. Louange et honneur à toi, pour mon précieux frère, ma bien-aimée sœur et les petits nous ont donné, bien-aimé Père. Sois donc béni et glorifié, car nous t'avons ainsi remercié, Père, pour cela. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons qu'elle a laissé cet enfant-là, sans savoir effectivement ce qui allait se passer. Mais simplement parce que il avait la foi. Que c'est Dieu d'Abraham, effectivement, qui a fait qu'Abraham et leur père, effectivement, avec Sarah, effectivement, dit, mais c'était une chose impossible. Et Sarah, effectivement, elle était stérile. Et notre père Abraham, effectivement. Parce que, vous savez, quand vous priez Dieu, pour que vraiment que vous. Il faut toujours se souvenir de ce que c'est Dieu et sa capacité, ce qu'il est capable de faire. Votre foi, sa conscience, là, Dieu entend. Seigneur, tu as fait. Seigneur, tu l'as fait pour celui-ci. Tu as connu. Aujourd'hui encore, tu es le même. Dieu voit que tu reconnais ce qu'il est. Et il donne. Parce que tu réalises qu'il n'a pas changé. Ton cœur à toi montre qu'effectivement que tu as la foi, que ce Dieu n'est pas un Dieu qui change, mais c'est un Dieu qui ne change point. S'il a fait ça hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Seigneur, tu l'as fait pour Abraham, effectivement. Moi aussi, Seigneur, tu es capable de le faire. Et quand nous prions comme ça, Dieu entend. Il aime. Alors, c'est comme ça que il a donc laissé son enfant dans ce panier-là, et que l'enfant partait effectivement sur ses os. Et voilà que la main qui a conduit cet enfant, et l'a amené. Dieu est bon, vraiment. Quand on lui fait confiance, il fait les choses parfaitement pour nous. Ce que nous devons simplement avoir, c'est avoir foi, confiance en lui. Le grand problème, c'est toujours en fait le combat entre le doute et la foi. C'est ça qui fait toujours en fait des problèmes avec la personne. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours pressés. Dieu nous enseigne toujours la patience. Même si ça prend 20 ans ou 30 ans, il n'y a pas de problème. Parce que, est-ce qu'Abraham savait que Dieu lui avait-il dit effectivement que, oui, Abraham, tu vas attendre pendant 25 ans pour avoir effectivement Isaac? Non, Dieu n'a pas dit comme ça. Non. Dieu ne l'a pas dit comme ça. Parce que peut-être on peut penser que oui, quand Dieu lui a pas dit, bon, maintenant, je vais te dire, c'est seulement après 25 ans que tu... Non. Il lui a simplement dit qu'un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Tu auras un fils. Et Abraham a écouté. Et Abraham a entendu. Et Abraham a obéi. Il ne lui a pas dit effectivement que oui, dans un an, dans 25 ans. Non. Abraham a reçu la parole. Il a cru cela.
Il avait confiance en ses dieux, que réellement que Dieu, quand il promet, il ne peut pas faillir dans sa promesse. Voilà que 1 an sont passés, rien du tout. 2 ans sont passés, rien du tout. 3 ans, rien. 4 ans, rien. 5 ans, rien. Si c'était vous et moi, on se plaindrait. Les frères et sœurs de mes sœurs ou frères, mais c'est pas possible. Ça fait maintenant 5 ans quand même. Ah oui, bien sûr que oui. C'est ça la nature que nous avons effectivement, nous en tant qu'êtres humains effectivement aussi. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous écoutions la parole de Dieu pour que nous puissions être fermes. La foi vient de ce qu'on entend. Et qu'on comprenne effectivement, s'il a permis ces choses parmi ceux qui nous ont précédés effectivement, donc qui nous avons acquittés donc avant nous, c'est pour nous servir d'exemple aussi. Pour notre foi. Nous n'avons pas assez de foi, effectivement. Nous, on fait du toujours rapide. Mais c'est la génération de Satan, ça. Des micro-ondes, de ceci. On n'a plus de temps pour aller chercher du bois. Je ne vais pas dire retourner au bois. Hein. Bon, on va dire que ce monsieur-là, il est vraiment plus que moyen-âgeur en plus. On n'a plus le temps de chercher du bois, attendre que le feu puisse baptiser, effectivement, puis mettre la casserole et puis l'eau, effectivement, dedans. Oui, c'était la patience. Mais aujourd'hui, non. Microwave, oh, micro-ondes, effectivement, paf, boum, 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 pam, dedans. Et puis, des nourritures, déjà pré-préparées. Et puis, paf, paf, boum, paf, 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 on y va. Et puis, les sœurs ne savent plus préparer. Oui, prenez une sœur aujourd'hui. Amenez-la une poule vivante. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a ce... Non, non, non. J'ai dit, mais je vais manger la poule. Non, c'est comme ça. Mais c'est la vérité. Donnez-la à une poule vivante. J'ai dit, mais et même poule est déplumée. Comment elle va la déplumer? Donnez-la à la sœur. Vous allez voir. Mais frère, ça ne va pas du tout, mon frère. Tu m'amènes une poule vivante pour... Comment je vais la faire? Par où je vais commencer? Et d'ailleurs, je ne tue pas. Mais si tu ne tues pas, comment tu vas la manger? Eh, vous savez même comment on déplume une poule? C'est ça le problème. D'ailleurs, je peux citer les noms. Je peux citer les noms. Enfin, hein, ma soeur. Je ne vais pas citer les noms. Parce que Solomon a un poulailler à la maison. Vous comprenez que je ne cite pas les noms. Mais vous savez ce qu'on me dit. Moi, je ne mange pas ces poules-là. Hein. Je me suis dit, quel poule tu vas manger? Ah oui, au Carrefour, il y en a. Hein. Au Carrefour, il y en a. J'ai dit, ah bon. Donc, la poule ici, qui est ici, là, on ne peut pas la manger, c'est le Carrefour. Oui, au Carrefour, il est bien. Et puis, je ne tue pas. Hein. Je ne cite pas les noms, mais hein. Je ne tue pas. Je ne tue pas, je ne tue pas, hein. Je ne tue pas. Donc, j'ai dit, qui va tuer? Ah, c'est vous. D'ailleurs, si vous tuez, moi, je ne mange pas. Hein. Ah oui. Oui, parce que c'est pas de ça. J'ai dit, mais moi, oui. J'ai dit, moi, j'aime les poules là qui sont en train de vivre là, que je vois, que j'ai nourri là. Et oui, voilà, l'ancienne génération. Oh, on l'attrape. Hein. Et puis, comment on va déplumer? D'ailleurs, comment? Et je me suis dit, pas de problème. Donnez-moi une casserole avec de l'eau. Faites bouillir de l'eau. C'est plongé dedans. C'est vrai, hein? Ah, nous sommes de l'ancienne génération. Alors les ailes vont comme un peu avoir plus twinkie. Et puis quand les petits restent, qu'est-ce qu'on fait? Un peu de feu. Un petit peu de feu. Vous voyez? Et ça, ça sent un peu, mais Satan, c'est la bonne nourriture. Un peu de feu. Donc vous voyez, c'est la génération des quick. C'est ça le problème. La patience n'y est plus, effectivement. Mais on doit, le Seigneur nous a dit que nous devons avoir la patience. C'est pour ça que nous, les parents, nous devons instruire nos enfants. Nos filles doivent savoir comment faire la vaisselle, pas toujours la lave-vaisselle. Non, je dois instruire à ma fille pour lui dire que, même si elle dit, ah papa, j'ai dit, nous sommes dans les mains. Tes mains ici, elles sont jolies, elles les aiment bien. Hein, mais tu les trempes dans l'eau avec ceci. Je t'ai acheté les crèmes pour les mains, je mets là. D'abord, nettoie. Bien sûr, une femme qui ne sait pas nettoyer la casserole. Mais si maintenant la machine à laver tombe en panne, on va attendre Frère Samuel. Frère Samuel, je donne un exemple. On va appeler, mais s'il n'est pas là, comment vous allez faire? On va manger dans quoi? Mais non, il faut d'abord savoir comment nettoyer. Oh, et vous faites souffrir. Non, monsieur, il faut qu'une femme sache comment arriver à pouvoir entretenir sa maison. On n'est quand même pas m'acheter des choses qui sont toujours dans les sachets, qui sont préfaites là, et puis il y a trop de C'est vrai, ma soeur à moi. Je vais une sauce tomate.
La tomate qu'on a achetée au magasin, effectivement, là, qui est même qu'on a mis dans mon jardin, on prend et puis on coupe bien. On doit apprendre comment laisser d'abord frémir. Mettre un peu. C'est vrai, frère. C'est la vérité, non? Tu aimes aussi ça, non? Voilà! Voilà des hommes, c'est pour que ma petite soeur comprenne que son mari aime la sauce là bien faite, pas que. Ah, je suis fatigué de travail, Christian. Où est la poudre et les ceci? Il va être malade parce qu'il va chanter ici. Donc il faut des tomates bien choisies là, mon mari, coupées bien avec beaucoup de cœur. C'est vrai. Enfin, bref. Donc c'est comme cela que nous devons être. Donc c'est comme ça que laissant le Seigneur a conduit jusqu'à ce que l'enfant arrive à un endroit inattendu. Vers qui encore, effectivement? Vers, non, Dieu est bon. Vers une personne qui voulait avoir un enfant. Mais cette personne, mais qui l'avait fait qu'elle soit ainsi? C'était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a un plan, frère. Avec toi, Dieu ne peut pas manquer, frère. Non. Avant que le monde soit, gloire à Dieu, il te connaissait. Il avait fait un chemin pour toi, mon frère. Alléluia! Alors, aie la foi, crois en lui et serre-le de ton cœur. Lève-nous. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour la grâce que nous avons à pouvoir t'avoir dans notre vie, de pouvoir te servir, notre Père. Comme nous l'avons chanté ces jours-là, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Nous y resterons, nous te servirons, Père Dieu. Merci de nous avoir gardés. Protégé encore, Père Tubissant, d'avoir permis que nous puissions nous retrouver avec ton peuple rassemblé encore ce soir, mon bien-aimé Père Dieu. Oh, je te remercie de m'avoir redonné encore mes frères, redonné encore mes soeurs, bien-aimé Père, et ceux qui sont aussi à l'écoute, en connexion encore ce soir, mon bien-aimé Père Dieu. Qu'ils soient donc bénis, mon bien-aimé Père Tubissant. Mon âme te loue et mon âme te glorifie et mon âme t'exalte aussi, effectivement, mon bien-aimé Père Saint. Pour tes grandes compassions aussi à notre endroit, mon bien-aimé Père Dieu. Oh, je prie encore pour Déborah, cet enfant, que tu la bénisses, que tu la fortifies, que tu la consoles pour aussi Rebecca aussi, mon bien-aimé Père Saint, que tu la bénisses aussi, Père Tubissant aussi, pour Wivine aussi, bien-aimé Père Dieu. Console, mon roi, la douleur est profonde, Père Tubissant Dieu, pour aussi Emmanuel, mon bien-aimé Père Tubissant, les familles soient aussi demeurées unies en toi, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Je t'en suis reconnaissant, Père. Sois glorifié et sois béni. Merci pour ce que tu nous donnes encore la joie ce soir d'avoir aussi David, mon bien-aimé Père Dieu. Nous sommes heureux. Tu nous as consolé, la tristesse était devenu, mais la joie est venue aussi, bien-aimé Père Dieu. Nous sommes heureux d'être à toi. Merci, parce qu'avec toi, nous marcherons par la foi, nous continuerons toujours à marcher avec toi par la foi, nous chanterons toujours avec amour et par la foi. Père, oh, voici ton peuple, mon roi, qui soit donc béni, mon bien-aimé Père Dieu, et en confiance à toi, mon bien-aimé Père Tubissant, parce que tu donnes encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Dieu, qui soit donc heureux, qui soit donc béni, mon bien-aimé Père Tubissant, Dieu, qui le reçoit, mon bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu, comme le cantique le dit. Quand Dieu descend, même les stériles enfantent, mon roi. Quand Dieu descend, la maladie s'enfuit, mon roi. Oh Dieu, quand Dieu descend, le paralytique saute des joies. Sois donc béni, mon bien-aimé Père oh Dieu. Le chômeur rend du travail, comme ma soeur le chante, mon bien-aimé Père Dieu. Le chômeur rend du boulot. Sois béni, Père. Louange et honneur à toi. Merci parce que tu es vivant, mon Père. Merci parce que tu es le roi. Tu domines encore, mon bien-aimé Père Tubissant. Oh, nous te disons merci. Continue encore d'agir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Soutiens ton peuple, mon roi. Fortifie encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes à toi. Alléluia. Gloire et honneur à toi. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions encore, mon sauveur. Nous nous réjouissons de ce que tu es notre Dieu. Oui, nous sommes à toi, mon bien-aimé Père Tubissant. Merci pour nos frères et merci pour nos sœurs, mon roi. Exalté soit ton nom encore aujourd'hui. Nous sommes conscients de ce que toi tu fais. Nous sommes heureux de ce que toi tu as accompli. Et encore de grandes choses aujourd'hui, Père. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu du ciel. Puisses-tu nous assister encore. Puisses-tu nous aider encore. Merci. Gloire et honneur à toi. Je te loue. Je te glorifie. Je t'exalterai de tout mon cœur, mon roi.
Oh, sois béni, Père. Sois exalté, mon roi. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci de nous avoir permis aujourd'hui encore voir réellement nous retrouver, mon bien-aimé Père Tibissant. De revoir mes frères, de revoir aussi mes soeurs, mon roi. Nos enfants, mon bien-aimé Père Tibissant. Nos petits-enfants, mon bien-aimé Père oh Dieu. Mon âme te loue encore, mon bien-aimé Père oh Dieu. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, ô éternel, mon roi. Tu es digne d'être adoré, bien sûr. Oui, sois béni. Oui, sois donc exalté. Sois donc élevé encore aujourd'hui, Père. Merci. Merci pour ton peuple qui est revenu, Père. Chantons maintenant. Rappelez, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de ta présence glorieuse et divine. Comme au jour d'autrefois, mon sauveur. Oh, le diable ne peut plus avoir du terrain, Père Dieu. Merci, Père Dieu. Il nous a attristés, il a pris les nôtres, Père Saint-Dieu. Mais nous demeurons fermes dans la foi. Glorifie ton nom, mon sauveur. Merci. Merci, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la victoire. Nous sommes un peuple qui t'appartient. Je t'aime, mon Sauveur. Je te remercie. Merci pour nos enfants. Merci, Père, aussi pour nos petits-enfants, mon bien-aimé Père Saint, nos frères et nos sœurs. Alléluia. Gloire à toi et honneur à toi. Merci. Merci, Seigneur. Oh, Dieu. Merci. Alléluia. Pardonne, Seigneur. Merci. Oh, Dieu. Aide-nous à demeurer comme cela et avoir la foi dans ta parole. Oui. La foi, peu importe que la marée puisse monter. Nous avons confiance en toi. Merci pour Abraham, merci pour Isaac, merci pour Jacob, merci pour Jephthé, merci aussi pour Samson, merci pour Josué, merci pour tous ces hommes. Oh Jésus-Christ, merci pour ce que tu es pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Louange à toi et honneur à toi pour ce que tu as fait pour nous dans cette nouvelle alliance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Alléluia, tu es parfait, tu es roi, tu es maître, Père. Merci, 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 Seigneur, merci. Oui, merci, nous te remercions, Père, pour mon frère et pour ma soeur. Oui, merci, Seigneur. Ce que tu nous as donné, mon Seigneur. Oui. Merci. Oh, Dieu du ciel, Maître béni, donateur de tout don excellent et consolateur des affligés, le Dieu que nous aimons, mon Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Je te loue, je t'exalterai de tout mon cœur et je chanterai ta gloire. Toujours en toi, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout, Père. Gloire à toi. Merci. Merci, Père. Merci pour tout. Comme notre jeune sœur Anna est là, je voudrais qu'elle vienne nous chanter ce cantique aussi. Quand Dieu descend. Et si nous pouvons chanter aussi. Viens, mon con, c'est. Elle est où, Anna? Ah ben, viens, chérie, c'est quand Dieu descend. Merci, mon. Oh, oui, tout s'arrête.
fête, il y a un transfert entre ciel et terre. Mon Dieu descend, l'atmosphère change.
Seigneur soit réellement béni. Que le Seigneur...